Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de mai. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages et les prévisions de ce mois de juin. Si vous souhaitez la guidance complète de ce mois de juin, vous avez le lien qui vous permettra de commander votre vidéo sous cette vidéo dans la barre de description. Et si vous souhaitez me consulter en privé, par téléphone, par Skype, en vidéo privée ou par mail, vous avez le lien ici de mon site sous la vidéo. Et je me concentre sur vous, les Vierges. Que vous réserve ce mois de juin? Quels sont les messages pour vous? J'ai tiré deux cartes du tarot de Marseille ainsi qu'une carte du tarot des anges, gardien de Dorine Vertu. Et nous avons le mât et le batteleur. Il semblerait que vous vouliez, en tout cas que certains d'entre vous veuillent un nouveau départ. Alors avec la lame, le mât, vous allez retrouver un certain dynamisme. Il y aura des actions, beaucoup de mouvements, de va-et-vient. Alors ça peut parler d'un voyage que vous espérez réaliser et qui pourrait se faire. Ça peut signifier également des changements que vous souhaitez faire dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle, comme ça peut parler de cette envie de changement dans votre vie en général. Certains d'entre vous envisageraient de se mettre à leur compte au niveau professionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez vraiment besoin de laisser d'anciennes choses derrière vous, d'anciennes situations derrière vous pour aller de l'avant. Vous voulez de nouveaux horizons, vous voulez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir le faire durant ce mois de juin. Ça parle aussi d'instabilité, donc faites attention à ne pas agir sur un coup de tête durant ce mois de juin. Avec la lame, le batteleur, nous avons ici cette notion de nouveau départ, de renouveau, de nouveaux cycles qui se préparent pour vous. En tout cas, vous avez les outils nécessaires pour vous préparer à ce nouveau cycle. Faites-vous davantage confiance car vous avez vraiment les capacités, le potentiel pour réussir tout ce que vous pourriez entreprendre, que ce soit votre nouveau projet au niveau professionnel ou que ce soit une nouvelle relation sentimentale. Il est vrai que ça peut parler d'une nouvelle rencontre, mais j'ai plutôt cette sensation que vous avez besoin au sens général de changement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. En tout cas, vous avez la force, vous avez ce dynamisme, cet engouement, cette créativité également pour vous réaliser durant ce mois de juin. Je vais rajouter pour vous un message du tarot des anges gardiens, les Vierges. Quel est le message pour vous pour ce mois de juin? Vierge, ascendant Vierge et lune Vierge. Et nous avons 10 de la pensée qui parle bien de finalité, de mettre vraiment un terme, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à une situation qui appartiendrait à votre passé,
car vous avez vraiment envie de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est ce que je ressens. Il y a également cette notion de voyage avec la lame Lema, je vous en ai pas parlé. Il y a vraiment beaucoup de mouvements durant ce mois de juin. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc tout est dit sur ce message. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ça peut parler de cette personne qui vous entoure, qui pourrait être codépendante d'une situation passée, mais ça peut aussi parler de vous. Et j'ai vraiment cette sensation que là, aujourd'hui, en tout cas durant ce mois de juin, vous serez prêt à passer à autre chose, les Vierges. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour ce mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous, puis on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, les Vierges!